Anomalie détectée. J'ai trouvé quelque chose. Quasiment intact en plus. C'est possible qu'ils aient survécu au crash, mais ça fait des années. On dirait qu'ils l'ont démantelé après le crash. La priorité, ça devait être de monter une balise. Je répète, alerte toxicologique, danger de dégénérescence neuronale. Visiblement, la balise est là depuis un bon bout de temps. Pourquoi attendre des années avant d'émettre ? Veille du protocole balise, 8 ans, 237 jours, 7 heures. Veille archivée sous, archive supprimée par le capitaine suppléant Ronald Taylor. Tu te trompes. Mon père était premier officier. Ronald Taylor a été promu en vertu des protocoles de commandement d'urgence. Autre problème recensé, faille de sécurité lors de la décélération. Nourriture locale et dégénérescence neuronale. Protocole d'activation de la balise. Qui commande ce vaisseau? Où sont les survivants? Capitaine Harris Fairchild, réputé mort suite à la descente suborbitale non planifiée. Premier officier Ronald Taylor, promu capitaine suppléant. Mais où il est maintenant? L'emplacement des survivants du Hugo Gernsback est inconnu. Cette balise est restée à l'abandon pendant plusieurs cycles de maintenance. Par faille de sécurité lors de la décélération, tu parles du crash, j'imagine. Fais-moi un topo. Suite à un impact non spécifié et un dysfonctionnement du moteur subluminique, le Hugo Gernsback a effectué une descente non planifiée à 465% de la vitesse suborbitale théorique recommandée. Le Hugo Gernsback a ensuite décéléré à 782% de la vitesse d'approche théorique recommandée, ce qui a occasionné des dégâts structurels et personnels importants. La nourriture locale altère les fonctions cognitives. Concrètement, ça donne quoi ? La dégénérescence des fonctions mentales causées par un déséquilibre chimique se manifeste dans les 7 jours suivant l'ingestion de la flore locale, indépendamment de toute décontamination ou préparation. L'impact sur les fonctions cognitives évoluées et sur la mémoire à long terme est cumulatif, mais sensible dès un mois standard. Nous ne savons pas si la dégénérescence est réversible. Collecte de données inachevée. Pourquoi la balise n'a pas été activée jusque-là ? Cette balise d'urgence est devenue fonctionnelle après 358 jours et 12 heures, suite à la descente suborbitale non planifiée du Hugo Gernsback.
Activation déclenchée à distance après 8 ans, 237 jours, 7 heures, sur l'ordre du capitaine suppléant, Ronald Taylor. Veille du protocole balise archivée sous, archive supprimée. Allez, on continue. Jetons un œil à ce vaisseau. Mon père avait une balise opérationnelle depuis pas loin de 9 ans. Peut-être qu'il souffre de cette dégénérescence neuronale. Il a forcément dû manger quelque chose de cette... Vous êtes venu ? Du ciel ? Le chef avait dit qu'on viendrait. Il aura fallu du temps, mais son pouvoir est réel. Il y en a qui ont perdu la foi. Les chasseurs. Ils ont dû vous voir venir. Ils ne vous laisseront pas l'aider. Qu'est-ce que vous racontez ? Vous êtes en plein délire. Je ne sais plus comment dire. C'est notre chef. Nous sommes avec lui pour pouvoir rentrer chez nous. Mais il y en a qui ne veulent pas. Ils ont été rejetés. Il les a exilés et depuis, il chasse ses machines et ceux qui l'aident. Il ne croit pas au secours. Tuez-les ! Les agents du menteur, il ne s'échappera pas ! On s'est fait repérer. On voit ? On ne voit pas ? Dégénérescence neuronale ? Moi, j'ai surtout l'impression qu'ils ont juste pété les plombs. Mon père n'aurait pas laissé passer ça. Il y a comme qui dirait une énorme couille dans le potage. Complètement désossé. Il va être à court de matos. Ces chasseurs le tiennent par la peau des couilles. C'est une colonie ? J'espère qu'on sera mieux accueillis que sur la plage. J'ai besoin de réponses. Elles portent le même uniforme que le groupe qui nous a attaqués. Mais celles-là n'ont pas l'air hargneuses. Il n'y a aucun homme ici. Peut-être que les sexes sont affectés différemment. Et c'est ce qui ferait que seuls les hommes deviennent violents. Ça expliquerait bien des choses. Mais la femme sur la plage a dit que les exilés étaient revenus en tant que chasseurs. Pour l'instant, peu importe. Il doit bien y avoir quelqu'un qui peut nous dire ce que mon père a à voir là-dedans. Vous avez son visage. Il a promis d'appeler le ciel, mais il n'en voit rien. Il nous a forcés à manger, à pourrir. Vous avez le visage du mal. Pas très flatteur, ni pour le fils, ni pour le père, Jacob. Pourquoi mon père forcerait son équipage à manger quelque chose de toxique ? Je sais pas ce qui se passe, mais il faut y mettre un terme. Il a un visage cruel. Cruel visage. Partez. Vous êtes comme... Je ne peux pas vous parler. Je ne veux pas être puni. Les chasseurs vont vous tuer. Il est mauvais. Il a un visage mauvais, comme l'autre, comme lui. Il nous garde en vie. Il nous protège. En échange, nous le servons comme il désire. Je passe en votre vie. Impossible d'y aller. Il a fait ça à ses propres hommes ? Non mais c'est qui ce type ? Ici ! Vous... vous avez son visage. Mais vous combattez. Ces machines. Vous pouvez peut-être arrêter tout ça. J'ai oublié comment lire, mais... C'est comme ça que tout a commencé. Ces promesses, ces actes. Le ciel nous appelle. Il faut appeler le ciel. Jacob, qu'est-ce qui a marqué ? C'est un registre de l'équipage. Certains trouvaient que la réparation de la balise prenait trop de temps. Il craignait d'être à court de réserve et de succomber à la dégénérescence.
Mon père a réservé les rations pour lui-même et les autres officiers, pour qu'ils ne soient pas affectés. Le reste de l'équipage a été obligé de manger la nourriture toxique, en espérant recevoir plus tard un traitement. Le reste, c'est un état des pertes. Cette décision a provoqué une mutinerie. Mon père et les officiers ont ouvert le feu avec les mécas. Il n'avait pas la trempe d'un officier et ça l'obsédait. Le seul moyen qu'il avait de se faire respecter, c'était par la force. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu de plus en plus d'incidents, de plus en plus de répressions. Ils étaient traités comme du bétail ou des jouets. Un an plus tard, tous les hommes sont exilés ou morts. Ils ont séparé les femmes. Ils les ont réparties entre les officiers comme des animaux. Et une fois la balise réparée, les officiers font partie des victimes, eux aussi. Mon père a pris le contrôle et tout a continué. Vous trouvez quelque chose sur un éventuel traitement contre la nourriture toxique ? Rien, mais sa décision paraît justifiée. Si tout le monde est atteint, qui va réparer la balise ? C'était une injustice nécessaire. Ce qui l'est moins, c'est qu'ils ont réussi à la réparer. Pourtant, le signal n'a été envoyé que récemment, et je commence à comprendre pourquoi. Vous trouvez une explication à la séparation des hommes et des femmes ? Ou c'est aussi immonde que je pense ? Non, ça devient illisible. Peut-être que les hommes ont manifesté des signes de violence dès le début. Mais à en juger par cet endroit, les chasseurs ont dû arriver récemment. Non, Shepard. Je ne vois pas la moindre justification à ces actes. On n'a pas vu les autres officiers. Il les a tués ? Après le crash, il en restait 5. Médecin, ingénieur, officier de pont. Le panel idéal pour réparer la balise et maintenir l'équipage en bonne santé. Tous ont été tués la même semaine. Environ un mois après la réparation de la balise. Alors pourquoi appeler à l'aide maintenant ? Les hommes qui ont survécu sont en train d'évoluer. Après tout ce qu'il a fait, il sent le vent tourner. 9 ans. Pourquoi il n'a pas rectifié le tir ? Je dois trouver cet homme. C'est bien lui. Il vient de s'échapper. Il couvre ses arrières. Bien sûr qu'aussi, il avait le choix. C'est un peu tard pour blâmer ses victimes. Bien profiter, maintenant.
peux pas faire ça. Bye bye. J'ai bien l'impression que vous allez devoir combattre mes gardes pour me sauver. Il m'a fallu des années pour les former. Il joue avec la vie des autres. Ce monstre n'est pas mon père. C'est joué. Je veux voir mon père face à face. L'entendre se justifier. Ah, vous voilà. Je savais qu'un vrai commando n'aurait aucun problème à se frayer un passage. J'espère que les mécanes ne vous ont pas trop retenu. Quand on sera de retour dans l'Alliance, je vous trouverai une belle récompense. Je dois avoir pas mal d'arriérés de soldes. Et votre équipage, capitaine suppléant? Un désastre. La nourriture toxique les a rendus sauvages. Ils m'ont hissé là comme si c'était une sorte de rituel. Il a fallu que j'envoie le signal à leur insu. Un vrai calvaire. T'as rien trouvé de mieux? Vous laissez tous vos hommes tutoyer leurs supérieurs? Et qui êtes-vous, au fait? Commandant Shepard, du Normandie. Je crois que vous connaissez déjà Monsieur Taylor. Taylor? Jacob? Non, pas Jacob. Pourquoi pas moi? Tu penses que quelqu'un d'autre jugerait moins sévèrement ces 10 années de crime? Comprenez bien une chose. Ce n'est pas de ma faute. Le commandement, ça vous change un homme. Je n'y étais pas préparé. Avant de partir, j'ai veillé à t'inculquer les leçons nécessaires. J'espérais pouvoir m'en tenir à ça. Je sais me montrer raisonnable, capitaine. Mais 10 ans, que s'est-il passé? Bon sang! Pourquoi avoir fait ça à ton équipage? Ils se sont opposés au plan. Nous avons dû sévir pour maintenir l'ordre. Ensuite, ça s'est calmé. La dégénérescence est apparue et on les a accompagnés du mieux qu'on pouvait. Certains avaient l'air heureux, reconnaissants même. Aux innocents les mains pleines, comme on dit. C'était facile d'asseoir mon autorité au début. Après quelques mois, le grade, le protocole, tout ça n'avait plus cours. Ils étaient comme des animaux qui défendent leur territoire. Si bien qu'il a fallu les soumettre par la force. Et rapidement, je me suis fait à ma nouvelle vie. C'est tout? T'as joué au dieu dans ton harem? 10 ans à vivre dans un fantasme d'adolescent? J'aurais du mal à dire quand tout a vraiment dérapé. Mais une fois la balise en état, je me suis dit que ce serait mal avisé de révéler notre histoire. Que sont devenus les autres officiers? Anders a eu un cas de conscience. Trop tard pour faire machine arrière. La discussion s'est envenimée et il y a eu un accident. Au final, c'est moi qui commande les mécas. J'ai été forcé de sévir pour me faire respecter. Mais une fois que tout est rentré dans l'ordre, je suis resté bienveillant envers mon peuple. Dans un sens, j'avais gagné la paix. Vous vous êtes disputé l'équipage comme si c'était des jouets, des objets. Les réserves du vaisseau ne pouvaient pas durer indéfiniment. Vous deviez vous attendre à ce que ça arrive. Quand on est seul à manger, les rations durent nettement plus longtemps. Et puis il y a pire comme retraite que de mettre ses vêtements et ses soucis au rancard. Bien sûr, c'était avant l'apparition des chasseurs. Avec ou sans mes facultés mentales, je n'ai aucune envie d'étancher leur soif de sang. Tout tourne toujours autour de toi. Vous ne vous sentiez pas tenu de partir d'ici pour retrouver votre famille? J'ai donné de bonnes bases à mon fils. C'était un gamin futé. Mieux valait qu'il suive sa propre voie. On a compris ça bien avant que je me lance dans les missions galactiques. Et quand les choses ont dégénéré,
Je me suis dit que le mieux était de disparaître de la carte galactique. Jusqu'au moment où t'as eu besoin d'être sauvé. Qu'est-ce qui a causé l'agressivité des hommes? Cette planète a des cycles étranges. J'ai vu des plantes que je n'avais encore jamais vues, sans parler du temps. Peut-être que certains se sont un peu trop acclimatés. Quand on est traité comme un animal, on devient un animal. Étonnant, non? Je peux pas passer l'éponge, Taylor. Il y aura un prix à payer. Combien? Vous arrivez à mettre ses vies en équation? Sa vie à lui, elle ne vaut même pas la peine d'appuyer sur la gâchette. Je sais pas qui vous êtes, mais vous n'êtes pas le père que j'ai connu. On va le remettre à l'Alliance. Pour chaque année qu'il a passé ici, il en passera 10 derrière les barreaux. Le temps n'y changera rien. S'il a pu commettre ça, c'est qu'il ne distingue plus le bien du mal. Désolé, Jacob. J'ai fait de mon mieux. Je t'aurais peut-être cru il y a 10 ans. Pour rapatrier le capitaine Taylor et son équipage, commandant. D'ici là, on sera parti depuis belle lurette. Qu'il ne voit même pas le bout de nos clignotants. Bien reçu. Comment ça, c'était pas vous? Jacob, si j'avais divulgué l'emplacement du Gernsback, la façon dont vous avez résolu l'affaire me décrocherait un franc sourire. Or, je ne souris pas. Il n'y a rien qui transite par ce vaisseau, mon vaisseau, sans que vous en soyez informé. Rien ne m'incitait à croire que le père de Jacob avait survécu. Mais je suis ravi que cette situation soit enfin élucidée. Admettons que ce soit pas vous. Alors qui? Moi. Logique. Qui d'autre avait accès aux transmissions de Cerberus? C'était à peine confidentiel. Obscur à tout casser. À une époque, vous vous étiez confié à moi. En vous transmettant ces infos, j'avais l'impression de tenir parole. Et je tiens toujours parole. Miranda, votre interprétation libérale des protocoles de sécurité fera l'objet d'un débriefing à huis clos. Shepard? Jacob? Ça vous convient tout ça, Jacob? Le capitaine Taylor peut aller moisir en prison. C'est pas ça qui va me pourrir l'esprit. En ce qui me concerne, le père que je connaissais est mort depuis longtemps. En fait, il a été assez bon père pour que même lui n'arrive pas à me faire douter de ce qu'il m'a appris. Vous ne vous doutiez pas que Miranda était derrière tout ça? Non. Elle a une bonne mémoire. Sélective, mais bonne. Moi, ça m'était sorti de l'esprit depuis longtemps. Tenir parole pourquoi, d'ailleurs? Aucune idée. Et je tiens pas non plus à le savoir. Il lui faut quelqu'un de mieux que moi. Allez, le travail n'attend pas. Bien, commandant. Shepard, merci pour le coup de main. Pas de soucis, Jacob. Pourquoi faire appel à moi? Les Butariens l'ont arrêtée ce matin. Elle est détenue dans une prison secrète et accusée de terrorisme. J'ai besoin de vous pour la sortir de là. Seul, si possible. Je
vous le demande comme une faveur. Que faisait le docteur Kenson en territoire butarien? C'est un agent secret, Shepard. Nos contacts sont réduits au strict minimum. Elle enquêtait sur une rumeur concernant un artefact. Son dernier rapport indique qu'elle l'a trouvé. Que pouvez-vous me dire d'autre sur cet agent? Amanda n'est pas seulement un excellent agent de terrain, c'est une scientifique de grand talent. L'une des rares personnes capables de réussir cette mission extrêmement dangereuse. C'est une amie de longue date, commandant. Je ne peux pas l'abandonner à son sort dans un camp de torture butarien. L'Alliance a toujours refusé d'admettre la menace que représentaient les moissonneurs. C'est une preuve solide, j'imagine. L'équipe de Kenson a découvert un artefact dans l'espace butarien. Elle pense qu'il s'agit d'un appareil moissonneur. Un signe d'une invasion toute proche. Je la connais depuis des années. Si elle pense que la menace est sérieuse, il vaut mieux vérifier. Je vais en faire une priorité. La prison se trouve dans un complexe souterrain d'Aratot, un avant-poste butarien. Je vous transmets les coordonnées. Dès que vous l'aurez libéré, vérifiez ses affirmations. Nous en discuterons à votre retour. Compris. Fin de transmission.